Oh non! T'es sérieux là? C'est peut-être le moment d'y aller, là, non? Excellente idée. C'était énorme! Oh, attends, on n'a pas payé l'addition! C'est pas grave, c'est offert! Regarde, regarde, j'ai toujours rêvé de faire ça! Allez, on sort! Attention, ma belle! T'as failli te faire écraser. Ah, je vois, t'es accro à l'adrénaline. Ça doit être dur de toujours avancer comme une tortue. Tu sais quoi? Aujourd'hui, mademoiselle, c'est ton jour de chance. Entre nous, tu t'es déjà sentie aussi vivante? C'est super, tu t'en sors vachement bien, tu sais. Oups! Rattrapé en plein vol. Bon, ce sera notre petit secret, d'accord? Tu m'as jamais vue. Je n'existe pas. Vous vous attendiez à quoi? Un petit hérisson tout sale qui mange des limaces et lutte pour sa survie? Perdu! On peut dire que je mène une vie de château sur Terre. J'ai une bibliothèque géante, une salle de gym perso et un système de sécurité dernier cri. Tes vaisseaux volants sont peut-être impressionnants, Mr. Eggman. Mais regarde les choses en face. Tu m'attraperas jamais. La confiance est la piètre doublure de l'intelligence. Perso, je le sens pas trop. Sonic, toi t'as ta vitesse pour te déplacer, mais nous, avec Maddy, on est... complètement fichu, ils vont vous écrabouiller. Merci pour ton soutien. Pas de panique, j'ai la solution qu'il nous faut. Oh, je m'attendais pas à ça. En même temps, je m'attendais à l'inattendu, donc c'est moi qui gagne. Pew, 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 pew.
Ok, je sais ce que vous pensez. Pourquoi ce hérisson incroyablement beau gosse se fait courser par un fou avec une moustache qui date de la Première Guerre mondiale? Franchement, j'ai l'impression d'avoir été obligé de courir toute ma vie. Vous comprenez pas? Je vais trop vite? C'est ma spécialité. Attendez, on va remonter le temps. Voici l'île d'où je viens. Une île paradisiaque. Plage de sable fin, cascade vertigineuse, montagne russe à volonté. Et j'ai jamais eu besoin de prendre le bus pour aller à l'école parce que je faisais le tour de l'île en moins de 2 secondes. De toute façon, il n'y avait pas d'école. Je sais, une île de rêve, je vous dis. Je suis né avec des pouvoirs extraordinaires, mais on m'a dit de les cacher. Et comme tous les enfants, j'ai fait le contraire, évidemment. Voici l'Onclo. C'est elle qui a pris soin de moi. En gros, c'est Obi-Wan Kenobi. Enfin, si Obi avait un bec et mangeait des souris. Sonic, quelqu'un aurait pu te voir. Non, ça c'est impossible. Je cours beaucoup trop vite. Et je voulais te donner ça. Attention! Mais qui dit super pouvoir, dit super méchant assoiffé de pouvoir. Et je les avais conduits jusque chez nous. Écoute-moi attentivement, Sonic. Tu es doté d'un pouvoir comme je n'en ai jamais vu. Il y aura toujours quelqu'un qui voudra te le prendre. Ton seul moyen de rester en sécurité, c'est de vivre caché. Ce monde se trouve aux confins de l'univers. Tu y seras en sécurité. Mais je veux pas y aller sans toi. Il le faut. Ce sac d'anneaux sera ton bien le plus précieux. Si un jour tu es découvert, utilise un anneau. Ne t'arrête jamais de courir. Sauve-toi! Plan, plan! Adieu, Sonic. Non!